Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette étape du RexBeam Tour à distance, qu'on pourrait d'ailleurs appeler le RexBeam Zoom. On va laisser quelques minutes à tout le monde de nous rejoindre. Vous êtes déjà pas mal connectés. Simplement, en attendant que je vous présente nos intervenants du jour et qu'on commence à présenter ce retour d'expérience d'aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Arnaud Delannoy de la société Signessence et donc je suis ravi de vous accueillir pour animer et donner la parole surtout à nos témoins. Dans cette séquence de visioconférence, nous allons aussi profiter de votre présence pour vous poser quelques questions à vous, professionnels, représentants du secteur de la construction, maître d'ouvrage, ingénierie, maître d'œuvre, entreprise, etc. Toutes les personnes qui sont intéressées par notre sujet du jour. Je vais vous proposer, non pas sur votre ordinateur principal, hein, votre desktop, à moins que vous ayez deux écrans, mais en privilégiant votre mobile, votre smartphone ou votre iPhone, de vous rendre sur l'application Klaxoon, que vous trouverez très facilement via votre moteur de recherche. Et en tapant Klaxoon dans votre moteur de recherche, vous arriverez directement, sans installation, sur une fenêtre qui va vous demander un code. C'est le code un peu barbare qui s'affiche à l'écran. C2XMQRQ. C2XMQRQ, que vous le tapiez en minuscule ou en majuscule, Klaxoon s'occupe de le convertir comme il faut. Et ensuite, juste d'entrer simplement en identifiant un pseudonyme ou votre email qui vous permettra ensuite de vous tenir prêt au moment où on lancera les questions. Donc, vous aurez juste ce petit écran d'accueil pour l'instant. Je vais vous le montrer à l'écran. Voilà, vous allez avoir ça en attendant. C'est normal, pour l'instant, on n'a pas envoyé de questions. Ça se fera dans un second temps. Voilà. Ce code et les modalités d'accès, vous les retrouverez aussi en permanence sur le chat de Zoom, hein, dans l'onglet conversation. Et donc, vous pourrez retrouver ça assez facilement. On aura une première séquence de questions au tout début et une dernière séquence à la fin. Voilà. Donc, il est 14h36. Ce que je vous propose, c'est de commencer en vous souhaitant à nouveau la bienvenue si des personnes nous ont rejoints entre-temps. À cette plus que dixième étape du RexBeam Tour, hein, depuis que le RexBeam Tour a été lancé en fin 2018, proposé par la Fédération Synov. Ce RexBeam Tour, il a pour vocation à partager avec vous des bonnes pratiques, à vous aider aussi à répondre à des questions sur le BIM, Building Information Modeling, hein, la maquette numérique, comme on l'appelle plus simplement en général. Et pour nous expliquer pourquoi ce RexBeam Tour, quels sont les enjeux pour les professionnels de la construction, quels qu'ils soient, hein, que vous représentez tous aujourd'hui, je vais demander à Julien Mercier, dans un premier temps, qui est vice-président de Synov, organisateur de RexBeam Tour, et qui est en charge de l'innovation et de la prospective. Et également, c'est surtout à ce titre qu'il va intervenir maintenant, il est animateur d'un groupe de travail national autour du BIM et de la transition numérique. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Bonjour merci, Arnaud. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour nous expliquer pourquoi le RexBeam Tour et en quoi c'est encore plus d'actualité de s'intéresser à ce type de processus aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi le RexBeam Tour? Donc le RexBeam Tour est né en 2018. La première étape s'est déroulée à Nancy en novembre. Et en fait, le RexBeam Tour fait suite à un constat. Depuis plusieurs années, effectivement, on entend beaucoup parler de BIM, notamment sur les réseaux sociaux, au travers de différents salons, etc. Et nous, au sein de la Fédération Synov, donc pour mémoire, on est un syndicat professionnel, une fédération professionnelle de patronale de tout ce qui est TPE, PME, dans le domaine de l'ingénierie. On avait nos adhérents se poser énormément de questions sur qu'est-ce que le BIM, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelles étaient les modalités, les coûts, etc. Et nous, on souhaitait avoir un avis, on va dire, opérationnel, c'est-à-dire un avis qui vienne du terrain et non pas, on va dire, une revendication, on va dire, commerciale, pour être plus proche de ce qui se passait réellement. Donc, d'où le nom d'ailleurs RexBeam, retour d'expérience. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de faire témoigner des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des bureaux d'études, des architectes sur des projets qu'ils ont pu mettre en œuvre. Et voir effectivement quelles étaient les difficultés, les opportunités rencontrées et ensuite les faire partager à toute la profession de la construction. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller sur le site
rexbeamtour.fr, sur lequel on retrouve toutes les vidéos et les témoignages de ce qui a été fait depuis maintenant presque 2 ans. Donc voilà. Après, au niveau de l'actualité, effectivement, bon, on a tous vécu, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, confiné, etc. Mais on a pu voir effectivement que parmi nos adhérents, notamment ceux qui avaient pu mettre... Là, une interférence. Ouais, ça a coupé. Oui, je disais, parmi nos adhérents qui ont pu, on va dire, anticiper ou mettre en œuvre ce qu'on appelle plus largement la transition numérique, qui va bien au-delà du BIM d'ailleurs, ben, ils ont eu a priori plus de facilité à échanger, à collaborer et à continuer leur activité. Et globalement, on est assez unanime sur le fait que le digital, sans en abuser non plus, parce qu'on promeut le digital, mais je veux dire, on n'est pas des gourous non plus, on essaie d'être très pragmatique, peut faciliter effectivement le travail à distance, limiter les déplacements, et donc ça a des vertus globalement assez positives. Alors juste pour conclure, le RexBeam qui va être présenté, donc c'est un Rex qui avait été présenté déjà physiquement, on va dire, à l'ancienne, donc c'est un Rex du Rex, on va dire. C'est très intéressant, notamment parce que au niveau des thèmes abordés, il y a l'exploitation maintenance, et aujourd'hui sur les projets de travaux, au niveau de la maîtrise d'ouvrage et particulièrement les bailleurs sociaux, on retrouve cet usage et ces attentes au niveau de ce qu'on appelle la maquette DOE numérique ou plus largement la maquette gestion exploitation maintenance. Et ça permettra, je l'espère, d'avoir des premiers retours justement sur qu'est-ce que ça a pu apporter, les difficultés rencontrées, la plus-value, voilà, sur, on va dire, la mise en place du processus BIM et le lien avec la gestion exploitation. Voilà. Eh ben, je vous souhaite bon courage et je vous remercie tous d'être là et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses et profiter de cet événement pour échanger aussi avec l'équipe qui vous présente ce projet. Merci Julien. Donc vous serez aussi avec nous pour la conclusion hein, tout à l'heure. Et je précise tout de suite que vous avez la possibilité, on ne pourra pas prendre toutes les questions en direct évidemment parce que l'idée étant de privilégier la présentation et le retour d'expérience, mais nous allons prendre les questions, la plupart des questions, nous allons essayer de les traiter en fin de cette heure qui nous réunit aujourd'hui. Donc, vous avez pour cela utilisé l'espace conversation de Zoom auquel vous avez accès pour poser vos questions, formuler vos remarques. On les prendra à la fin dans l'ordre et évidemment dans la limite du temps qui nous est imparti pour vous apporter un maximum de réponses avec nos deux intervenants du jour. Je suis ravi de la présence aujourd'hui. Je remercie de leur participation. Donc, Antoine Cavelier, responsable BIM chez Habitation Moderne, et Alain Buraglio, qui est président et consultant BIM chez Control BIM. Alors, vous allez nous présenter une opération aujourd'hui, une opération mixte, résidentielle et tertiaire, qui a été menée en BIM. Comme le disait Julien Mercier tout à l'heure, vous avez déjà, en tout cas Antoine Cavelier, présenté ce projet. Fin 2018 et évidemment depuis la livraison hein, qui n'avait pas encore eu lieu à l'époque, eh bien les ambitions autour de ce projet et les besoins ont évolué vers notamment l'exploitation maintenance, ce qui n'était pas vraiment prévu à l'origine. Donc, ce qui va être intéressant, c'est cette vision un petit peu évolutive et cette application évolutive du BIM dans ce projet. Avant de vous donner la parole, je vais juste lancer la première session Klaxoon et ensuite on va pouvoir lancer, ça va être très rapide. Donc pour rappel, donc vous pouvez tous vous connecter à Klaxoon sur votre mobile et votre smartphone. Je vais pour ma part immédiatement quitter cet écran-là et lancer les premières questions sur Klaxoon. Je vais tout de suite aller voir combien de personnes sont connecté. On n'a pour l'instant que 12 personnes qui sont connectées. Je vais partager mon écran et lancer les premières questions. Un tout petit instant. Alors, la première question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est important pour nous de savoir qui est présent avec nous aujourd'hui en visioconférence. Donc, je vais tout simplement me connecter sur mon écran de contrôle Klaxoon. Et donc, je vais vous envoyer deux premières questions. Un premier sondage qui est à quelle catégorie appartenez-vous ? À quelle catégorie appartenez-vous ? Donc, vous cliquez sur votre mobile sur « Participer » et hop, vous allez avoir
différentes catégories de corps de métier qui apparaissent à l'écran. Voilà, donc je vois, on a architecte, bureau d'études, maître d'ouvrage, entreprise, service, conseil, formation, AMO, etc. École, étudiant, hein, c'est important de le préciser, surtout quand on est sur une étape physique, présentielle du Rexbeam Tour. Évidemment, les écoles, les ingénieurs et futurs ingénieurs du marché sont invités, c'est ouvert. Les éditeurs également font partie de l'écosystème. J'attends encore pour l'instant 14, enfin, j'ai 14 inscrits, j'attends encore 4 réponses et dans 10 secondes, on va dire, pour avoir un premier état des lieux des personnes connectées. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous auront l'occasion de continuer à se connecter parce que je n'ai que 14 personnes sur Klaxoon alors qu'on est quand même un peu plus d'une trentaine connectées. Voilà, donc j'attends encore 5 secondes pour avoir un premier échantillon. Voilà, on y va. Donc, on voit qu'aujourd'hui, en termes de réponses, on est à plus de la moitié des connectés des bureaux d'études, des personnes qui, des structures qui travaillent à 18% dans le service, le conseil, la formation ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On a des éditeurs qui sont connectés avec nous aujourd'hui et ensuite d'autres typologies d'intervenants qu'on n'a pas pu préciser. Voilà, donc je vais passer à une autre question. Tout simplement, répondez par oui ou par non sur Klaxoon. To BIM or not to BIM, est-ce que vous utilisez le BIM aujourd'hui dans votre activité? Oui ou non? Tout simplement. Ça nous permettra, cette question, de mesurer le niveau de maturité du BIM et d'ajuster peut-être aussi notre niveau de présentation. Voilà, donc j'attends encore deux réponses parmi les personnes connectées. Voilà, donc bon, écoutez, on va... Ah, alors, vous êtes deux tiers à être utilisateur du BIM. C'est un pourcentage qu'on retrouve souvent, qu'on soit en présentiel ou à distance. On a quand même en général un peu plus d'un tiers des personnes qui se connectent, qui viennent là pour découvrir, en savoir plus sur le BIM et venir chercher des bonnes pratiques, des bonnes expériences parce qu'ils ne l'utilisent pas encore. Donc, je le dis aussi pour nos deux témoins du jour, Antoine Cavelli et Alain Buraglio, il sera important aussi qu'on ait une approche assez vulgarisée du sujet. Hein, pour, voilà. Et d'ailleurs, on aura un aspect assez démonstratif tout à l'heure. Voilà, donc voilà, je vais revenir sur l'écran principal et on va pouvoir lancer les échanges avec nos deux invités du jour. Alors, Antoine Cavelier, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais vous présenter en quelques secondes, présentez-nous Habitation Moderne, le rôle que vous y jouez. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité déjà. Habitation Moderne, c'est un bailleur social qui possède un peu plus de 10 300 logements, essentiellement sur l'Eurométropole de Strasbourg. Il y a à peu près 60 ans d'existence, donc c'est quand même... un organisme qui a une histoire assez importante, mais qui a surtout pris son envol, je dirais, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, où avant, on était essentiellement sur des anciens quartiers traditionnels construits dans les années 60 et 70, et on a quand même, depuis 15-20 ans, quasiment doublé notre parc, donc avec la construction neuve, etc., avec toujours une volonté d'essayer d'être le plus en avant possible pour, en termes d'innovation, notamment. Avec un service de maîtrise d'ouvrage, notamment, qui s'occupe de cette réhabilitation, qui compte à peu près 18 personnes, 18-19 personnes, donc, pour un total de 200 salariés sur l'ensemble du bailleur Habitation Moderne. Donc, voilà. Moi, au sein de cet office-là, ce bailleur-là, je suis donc responsable BIM. Donc, je suis en charge du déploiement de la stratégie BIM au sein d'Habitation Moderne. Et j'étais anciennement chargé d'opérations, c'est-à-dire que je suis des opérations de construction neuve ou de réhabilitation sur l'ensemble du parc. Donc une expertise technique quand même un peu avant et ensuite depuis maintenant un an et demi responsable BIM au sein de la structure. Très bien, merci. Alain Buraglio, vous avez rejoint l'aventure du projet en cours de route il y a quelques temps maintenant. Alors présentez-nous au contrôle BIM et quel rôle jouez-vous aujourd'hui dans le cadre de l'opération dont on va parler?
Alors, Control BIM est une société donc beaucoup plus récente qu'Habitation Moderne, bien sûr. On a créé donc la société avec un associé qui est architecte. Et moi, issu donc du milieu du bâtiment depuis une trentaine d'années, puisque je commence à avoir pas mal de petits cheveux blancs, mais une expérience d'une trentaine d'années donc en tant que au sein des bureaux d'études et entreprises. Et en 2017, on a créé donc cette société qui est complètement dédiée au BIM et qui s'occupe en fait de quatre principaux domaines, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le BIM management et deux autres activités qui sont l'accompagnement d'entreprises du bâtiment pour passer au BIM justement. Et dans ce cadre, on fait beaucoup de formations, on fait pas mal de formations au niveau du BIM et des logiciels, donc notamment Archicad. Et le quatrième pont de la société, c'est en fait la modélisation principalement, donc de la sous-traitance pour des entreprises générales ou des entreprises de tout ordre, petites ou grandes. Et notamment donc pour ce dossier, on a eu le projet de Habitation Moderne avec l'entreprise générale Sotravest. Donc ça, c'était en fin 2017. Et on va voir ensemble comment s'est déroulée l'expérience de ce dossier. Tout à fait. Alors aujourd'hui, donc, nous allons d'abord vous présenter rapidement de quelle opération il s'agit. Ensuite, nous vous expliquerons pourquoi et comment le BIM a été appliqué et l'est encore aujourd'hui et le sera demain dans cette opération. Et donc, ça nous permettra de partager un retour d'expérience avec vous, des points entre guillemets satisfaisants, des avantages constatés, mais également des difficultés qu'on peut rencontrer sur ce type de projet au travers de cet exemple. Et évidemment, l'objectif d'un retour d'expérience, c'est évidemment d'en tirer des enseignements pour des bonnes pratiques, des conseils et des perspectives pour la suite de ce projet qui peuvent s'appliquer éventuellement à d'autres pour évidemment avoir un aspect le plus pratique possible pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc Antoine Cavelier, je vous laisse la parole pour nous présenter cette opération. Et guidez-moi au moment où vous souhaitez que je change de slide. Pas de souci. Oui, bon, rapidement, c'était pour recadrer un peu l'opération. Elle se situe dans un quartier en fait qui s'appelle les Poteries dans l'Eurométropole de Strasbourg, qui est un quartier qui est en plein redynamisme en fait, qui était une zone commerciale, une friche industrielle qui est petit à petit reconquis depuis une quinzaine d'années. Et dans ce cadre-là, donc, on a été retenu pour construire donc un ensemble immobilier qui comprenait 80 logements, une restauration scolaire pour le compte de la ville de Strasbourg, qui sera ensuite rétrocédé à la ville, donc une sorte de VFA si vous voulez par rapport à ça, et puis un pôle associatif avec un certain nombre de locaux qui devaient être dedans, donc pour un petit peu moins de 7000 m² surface de plancher, pardon, un programme qui était relativement ambitieux par rapport à cet ensemble-là. Et pour ça, donc, on s'était adjoint les compétences à l'époque donc de bureau d'architecte et de bureau d'études. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, Arnaud. Voilà, donc on avait DRLW qui était un architecte et qui commençait à l'époque, ça a été initié à peu près en fin 2015, le concours d'architecte, qui commençait à faire du BIM. Des bureaux d'études, donc GTEC, PDS, donc le bureau d'études fluides, et Valid, qui était le bureau d'études d'électricité, qui eux, par contre, étaient assez peu sachants en termes de BIM. Sotravest, qui ensuite a été l'entreprise générale en charge de la construction, qui elle aussi était assez peu sachante là-dessus, et qui du coup s'était adjoint les compétences de contrôle BIM, comme l'a rappelé Alain tout à l'heure, fin 2017, pour justement la phase chantier. Des voies, etc., exécution du projet. Suite aux difficultés, bon, Alain pourra peut-être le rappeler un petit peu plus facilement que moi, mais en fait, comme on a eu pas mal de difficultés pour passer justement de cette phase conception à cette phase chantier ou exécution, du coup, le contrôle BIM s'est retrouvé aussi dans l'équipe de maîtrise d'œuvre en tant que sous-traitant, justement pour les aider un petit peu à ça et à faire cette transition entre la conception et l'exécution du chantier. Donc pour un total de 15 millions d'euros TTC, et puis une livraison en deux phases qui était vraiment un impératif. Mars 2019, le restaurant scolaire, et puis décembre 2019, le reste des logements.
D'accord, je peux passer à la suite. Donc, Vous pouvez passer à la suite. Oui, simplement, donc, premier élément important à rappeler, c'est que pour Habitation Moderne, cette opération est vraiment, à l'époque de son lancement, expérimentale. C'était votre décision, si je m'abuse. Oui, c'était ça. C'était notre opération martyr. C'est-à-dire que on a lancé le concours de maîtrise d'œuvre fin 2015. Et puis à l'époque, on commençait déjà à entendre parler du BIM. On lisait des articles, etc. Mais on savait, voilà, on n'arrivait pas vraiment à l'appréhender. Et l'idée de notre directeur à l'époque du service de maîtrise d'ouvrage, c'était de dire allons-y, faisons une opération, voyons ce que c'est. Donc du coup, on avait lancé une opération en BIM avec des critères de sélection pour l'architecte. Qui était d'avoir déjà justement fait réaliser les opérations en BIM. L'idée étant que voilà, ils nous apprennent un petit peu ce que c'est. Et puis finalement, on s'est aperçu que le cahier des charges d'une page et demie qu'on avait à l'époque était très 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 insuffisant pour vraiment faire du BIM. En tout cas, notre BIM à nous, parce que le BIM c'est un mot générique, mais en fait chaque organisme a sa propre manière et sa propre vision du BIM. Et donc, du coup, on s'était adjoint en plus les compétences d'un AMO, qui était le pôle chiffre d'énergie BIM à partir de 2017, pour justement nous aider. Alors, il faisait office un peu d'AMO, un peu de BIM manager. Il avait un peu des missions autour du BIM, en tout cas, par rapport à ça. Et l'idée, c'était d'utiliser cette opération-là pour essayer d'atteindre des objectifs, donc la facilité de travail en collaboration, avoir des maquettes qu'on puisse utiliser, qui soient visibles, etc. Gagner du temps sur le chantier. Alors, même si gain de temps, c'était un peu fort, mais en tout cas, ne pas en perdre. Parce qu'on avait des impératifs de livraison qui étaient assez forts pour notamment la cantine scolaire qui devait être livrée donc, en mars 2019 parce qu'ensuite, eux devaient aménager avec leur cuisiniste tout l'intérieur, etc. pour une livraison, pour une ouverture pardon, en septembre 2019. Donc, ça, c'était assez fort. Puis on s'était dit, pourquoi pas essayer de communiquer un peu là-dessus. Et puis surtout, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur le BIM et ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Alors, à l'origine, votre ambition et la valeur ajoutée du BIM sur cette opération, elle concernait quelle phase du projet quelles étapes Est-ce que c'était juste la conception, la réalisation est-ce que vous envisagiez déjà l'après-livraison? Alors non, au début, c'était vraiment de dire on va le faire en conception, on va le faire en chantier si on y arrive et si on arrive à trouver des entreprises, l'entreprise générale, c'est pour ça qu'on est avec ça, qui est capable de le suivre et de mettre à jour cette maquette-là. Et ensuite, on aura une livraison qui sera une forme de DOE, grosso modo, et puis qu'on gardera dans un coin qu'on pourra même redonner, notamment notre prestataire, pour qu'il lui puisse l'avoir en DOE. Mais il n'y avait pas du tout de vision, d'ailleurs, ce n'est pas du tout dans les objectifs initiaux, de pouvoir l'utiliser ensuite en phase d'exploitation du bâtiment. D'accord. Alors, je passe à la suite. Là, on voit quelques visuels. Hein. Hop. Donc, c'était quelques slides de l'époque. Hein. C'était la phase APD, donc c'était juste pour montrer un peu le rendu. Donc, au départ, dans le cahier des charges, la grosse. Ce qu'on voulait essentiellement, c'était que le format soit en IFC. C'est-à-dire qu'il puisse être lisible par tous. Comme on est un bailleur social pardon, et qu'on dépend de la commande publique, on ne pouvait pas imposer de logiciel ou de type de rendu particulier. Aujourd'hui, le code de la commande publique impose un format, c'est bien ça? Alors non, il n'impose pas de format. Par contre, il impose que vous ne puissiez pas obliger une entreprise à utiliser un logiciel qui soit, ou un produit qui soit payant. Il faut forcément qu'il y ait une concurrence qui soit mise, même dans les produits que vous demandez. Et donc, du coup, l'IFC étant un format qui est interopérable, c'est-à-dire que tous les logiciels de BIM sont censés le lire. Et c'est un format qui est gratuit, qui ne dépend pas d'un type de logiciel particulier. D'accord, un format universel et accessible pour tout le monde, en tout cas. Voilà, exactement. Donc, du coup, c'était un peu notre seul impératif par rapport à ça. On l'a utilisé un peu la maquette pour voir un peu les agencements des logements. On utilisait essentiellement qu'une visionneuse gratuite qui était Solibri pour visualiser un peu les logements, voir comment ça pouvait donner. Ensuite, sur la planche suivante, on avait réalisé des coupes
justement du bâtiment pour voir un petit peu ce que c'était, mais c'était de très, très artisanal, quoi. Alors expliquez-nous là sur cette vue, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui apparaît en jaune, en orangé, quels sont les éléments que cette maquette... Alors en jaune, en fait, en jaune, c'est l'axe de coupe du bâtiment, c'est-à-dire D'accord. que sur une maquette IFC, tous les logiciels gratuits à peu près vous permettent de réaliser des coupes, c'est-à-dire vous mettez un endroit, vous pouvez éventuellement faire bouger le plan de coupe, et ça vous permet notamment de visualiser les plénums, les cheminements des réseaux, ce genre de choses, pour justement voir s'il n'y a pas à un moment des décrochés qui seraient un petit peu malvenus ou qu'on pourrait améliorer. Mais on était vraiment sur des choses très artisanales, c'est-à-dire qu'on se baladait dans la maquette grâce au viewer, et puis on essayait de faire des choses, on mesurait, on avait des petits outils de mesure aussi, mais on n'était pas du tout sur quelque chose de très optimisé, je dirais, pour analyser la maquette. D'accord. Alors, par rapport aux objectifs que vous nous avez présentés tout à l'heure, déjà sur la première partie, quels sont les objectifs que vous estimez avoir atteints ou pas, et pourquoi finalement ? On a effectivement sur les objectifs, on a revu un peu. Alors, le travail en collaboration qui est quand même une phase importante du BIM, parce que nous, on n'avait pas forcément identifié à l'époque, hein, quand on a lancé. Pour nous, BIM se résumait entre guillemets à maquette 3D, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait pour la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, tout ce qui est travail en collaboration s'est fait vraiment de manière très light. On échangeait encore par mail, on n'était vraiment pas sur du travail très collaboratif. On travaillait encore en silo, chaque prestataire faisait sa maquette, on essayait ensuite de les mettre ensemble, les faire communiquer. Enfin, c'était vraiment les prémices, quoi. On s'en est aperçu après que ce travail-là en collaboration, finalement, il n'était pas atteint puisqu'on n'avait pas obtenu vraiment ce qu'on voulait par rapport à ça. On était resté sur un schéma très classique. Même si on faisait une maquette 3D, on était resté sur un schéma classique. Donc c'est pour ça que j'ai mis 50%. Lisible et utilisable, lisible oui, puisqu'on était sur des formats qu'on peut lire sur des maquettes sur des viewers gratuits, donc il n'y avait pas de souci. Utilisable, 20%, parce qu'effectivement, on n'était pas doté d'outils qui nous permettaient de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, de pouvoir faire des analyses automatisées, etc. Là où pour le DOE, par contre, on espère vraiment être à 100%, parce qu'on va pouvoir l'utiliser à la fois pour analyser le bâtiment et puis ensuite pour l'exploitation par la suite. Ouais. Alors là, quand on dit lisibilité et utilisable, en fait, on parle notamment d'interopérabilité aussi, c'est-à-dire que cette note de 50%, vous l'évaluez aussi par rapport à la capacité de la maquette à être utilisée par des acteurs tiers. Oui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'était pas le cas, en tout cas. C'est-à-dire qu'elle était vraiment… On n'avait vraiment pas défini notre cahier des charges, la manière dont on voulait que ça soit modélisé, les paramètres de modélisation, etc. Donc, forcément, c'était une maquette qui avait été réalisée par la maîtrise d'œuvre, mais selon leur habitude à eux, et qui, du coup, n'était pas les nôtres. Et finalement, la manière dont étaient modélisés les éléments faisait que ce n'était pas forcément utilisable. C'était visualisable, très bien. D'accord. On pouvait effectivement l'analyser d'un point de vue visuel, mais vous ne pouvez pas en faire grand-chose de plus, si vous voulez. Le BIM devient intéressant et interopérable quand vous avez vraiment une grille de lecture que vous transmettez à l'ensemble de vos acteurs qui va vous dire, pour lire la maquette, pour l'appréhender, il faut vraiment avoir tel et tel paramètre, telle et telle chose pour vraiment ça ressorte. D'accord. Chose toute bête, mais par exemple, un mur, il faut qu'il soit modélisé en mur, il ne faut pas qu'il soit modélisé en poutre ou autre. Ce genre de choses, au départ, ça avait mal fait. Alors, je vois néanmoins là, sur le côté gain de temps en phase chantier par rapport à un impératif de livraison que là, finalement, vous estimez que le BIM a rempli 100% de sa mission. C'est compliqué de le dire. En tout cas, on a livré dans les temps. Donc c'est pour ça que j'avais mis 100%. Mais par contre, est-ce que c'est grâce au BIM ou pas ? Là, c'est une autre question. Puisqu'en fait... Alors, on peut peut-être le voir d'une autre manière. Est-ce que le BIM a été un frein ? Le BIM n'a pas été un frein. Voilà. On n'a pas freiné dans le sens où en fait, Alain pourra en parler plus facilement que moi, mais en fait, au moment où on a fait cette transition entre conception et exécution, la maquette n'étant pas utilisable, finalement, on est revenu sur un schéma classique en chantier. C'est-à-dire que l'entreprise
c'est pas forcément, elle n'a pas forcément utilisé la maquette pour réaliser son bâtiment. Elle est plutôt partie sur des plans, sur des schémas classiques. Et donc, du coup, voilà, cette transition ne s'est pas faite parce que justement. Alors, je vais me permettre juste simplement. Est-ce que certains d'entre vous avec qui on est connecté ont un retour de son? Parce qu'on a beaucoup d'écho. On a beaucoup d'écho. Donc, si vous pouviez couper vos micros pendant qu'Antoine nous parle, merci, c'est gentil. Allez-y, Antoine, pardon pour la coupure. Donc bah, après, voilà, monsieur, enfin, Alain pourra en parler plus facilement que moi là-dessus s'il veut rajouter quelque chose, mais voilà, cette transition, c'est mal fait. Communication, voilà. Alain, si tu veux rajouter. Je vais prendre la parole. En fait, lors de la prise en charge de notre mission, au moment où, avec l'entreprise générale, on devait prendre donc, la maquette exé, c'est-à-dire qu'une maquette BIM. Au sens d'un projet, quand on fait un projet en full BIM, c'est-à-dire du début de la conception jusqu'à la fin du projet, jusqu'à la livraison, donc DOE électronique, avec une possibilité d'exploiter les documents au format IFC, eh bien, on a une transmission des données qui se fait phase par phase, c'est-à-dire que chaque phase classique, APS, APD, DCE et exé, doit avoir la maquette correspondante au moment où les choses se font. Le problème, c'est que sur le dossier, la maîtrise d'œuvre, à ce niveau-là, n'avait pas, si vous voulez, l'expérience et, on va dire, la capacité à poursuivre la maquette en exé au moment où on attaquait les exés. Donc, il était décidé de suspendre l'utilisation de la maquette pour que le chantier puisse être livré en temps et en heure, mais de manière classique, avec des documents papier. Il a été donc poursuivi pendant ce temps-là la réalisation de la maquette exé. Malheureusement, il y a eu un prestataire qui n'a pas donné une maquette satisfaisante et les bureaux d'études m'ont confié la mission donc de modélisation de la structure donc génie civil et d'autre part tout ce qui est réseau fluide donc par TDS. Donc je suis en train de les terminer. C'était un gros boulot. Et on verra une partie tout à l'heure. Voilà, on verra une partie. On verra une partie tout à l'heure. Vous verrez tout à fait ce que c'est. Et voilà. Très bien, merci. On peut peut-être reprendre sur la notion de communication, Antoine. Oui, alors au niveau de la communication, on a pu effectivement communiquer un peu sur cette maquette-là, notamment auprès des prestataires qu'on pouvait avoir, etc., mais pas de manière optimisée, c'est-à-dire qu'on pensait vraiment être beaucoup plus, pas ouvert, mais en tout cas, pouvoir l'utiliser beaucoup plus largement, cette maquette-là, qu'elle soit plus esthétique auprès des collectivités, pouvoir en faire un vrai outil promotionnel, entre guillemets. Ça on n'y est pas arrivé. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire, mais par contre, on a pu communiquer un peu là-dessus. Et par contre, voilà, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, ça, c'est vraiment un test qu'on a très bien réussi, puisqu'on a vu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas sur le BIM, et surtout ce qui manquait pour faire du BIM. C'est-à-dire que décréter, dire « je veux faire du BIM », ça ne suffit pas. Alors, quelques exemples, un ou deux exemples peut-être. C'est un terme qu'on entend souvent quand on parle de BIM, c'est les clashs finalement. Est-ce que vous avez un ou deux exemples de clashs à nous partager? Ou deux choses qui se sont plutôt révélées très positives au contraire? Bah, effectivement, le pôle Fibre Énergie Vie, qui lui avait un rôle un peu d'assistant maîtrise d'ouvrage et de BIM manager, avait pu réaliser effectivement des clashs et voir qu'il y avait à certains endroits des poutres, des tuyaux qui passaient des poutres ou ce genre de choses qui n'étaient normalement pas optimales et qui du coup on avait pu optimiser un peu le linéaire par rapport à ça ou des redites, c'est-à-dire des poutres qui étaient modélisées deux fois ou ce genre de choses. Donc on a pu en faire un peu après. Il y en avait beaucoup. On n'a pas pu forcément le faire de manière satisfaisante et de manière optimisée parce que justement, on dépendait à chaque fois de quelqu'un d'autre et il y a certains clashs où on était incapable de répondre d'un point de vue purement modélisation parce qu'on n'était pas formé du coup. D'accord. Mais bon, si je comprends bien cette note de 200%, vous estimez en avoir quand même identifié une grande partie, quoi. Oui. D'accord. Très bien.
Alors, je passe à la suite. Hein. Faites-moi signe aussi s'il faut que je revienne en arrière. Ou, voilà. Oui, bien sûr. Alors, justement, alors, par rapport à ce que vous venez de nous dire, moi, ce que j'ai entendu rapidement, c'est au démarrage, une opération test, une découverte au fur et à mesure, même en interne, mais aussi avec les différents intervenants, de ce qu'implique le BIM, de son potentiel, mais aussi de ses limites en fonction du niveau de précision du cahier des charges au départ, etc. Donc, sur tous les points là que vous nous avez listés, précisez-nous quels sont voilà, vos principaux retours d'expérience et Alain pourra aussi compléter. Alors, le premier point, je dirais, le plus important qui fait qu'on n'avait pas eu sur une opération aussi forte qu'on voulait par rapport au BIM, c'est vraiment notre manque de définition des besoins. C'est-à-dire que vraiment, on n'avait pas défini tout ce qu'on voulait. On a dit qu'on peut faire du BIM. Le cahier des charges au départ, c'était une page et demie. On verra un exemple tout à l'heure. C'était vraiment très, très light. Il n'y avait pas de charte BIM, il n'y avait pas pour quel usage on veut. Je parlais par exemple de la communication. Bah, c'était un objectif interne, mais on n'avait pas du tout dit à la maîtrise d'œuvre qu'on voulait l'utiliser pour la communication. Donc, forcément, elle n'a pas pu la modéliser de cette manière-là. Et ensuite, les niveaux de développement et les LOI, je me souviens, réunion interminable pour savoir si tel équipement devait être modélisé à ce moment-là ou à ce moment-là. Parce que nous, pour nous, je sais pas moi, la chaufferie devait être modélisée en APD. Or, pour le prestataire, le bureau d'études, ben, la chaufferie devait être modélisée tout en face. Ce genre de choses, voilà, si vous ne le définissez pas au départ, ben forcément, après, il y a des discussions et des frictions en disant mais oui, mais non, mais non. Quand c'est calé, c'est beaucoup plus simple. Alors, Alain Buraglio, on voit la notion de charte BIM. On a parlé tout à l'heure de cahier des charges. J'ai envie de vous interpeller sur l'importance dès le démarrage d'un projet, et même j'ai envie de dire avant le démarrage d'un projet, d'être pour les maîtres d'ouvrage qu'on interpelle souvent hein, en tant que voilà, qui donnent l'impulsion d'un projet et ceux qui sont les commanditaires, d'être très attentif sur ces aspects-là de définition du projet au démarrage et du rôle du BIM. On en est où un peu aujourd'hui chez les maîtres d'ouvrage là-dessus et quelle est l'importance de ces éléments? Ben, les maîtres d'ouvrage qui souhaitent attaquer le BIM doivent prendre conscience effectivement, et c'est ce qu'on voit dans ce projet, qu'il y a une définition des besoins qui doit être faite avant toute demande à un intervenant. Excusez-moi, j'ai de la musique, je ne sais pas d'où ça vient. Allez, Emmanuel, juste un dimanche. J'ai une interférence. Là. Oui, voilà, ça va mieux, merci. Donc, chacun doit déterminer ses besoins. Et ses besoins, dans une démarche BIM, on les exprime par ce qu'on appelle une charte BIM, où le maître d'ouvrage définit ses besoins. Après, il est interprété pour chaque projet, donc en personnalisant par rapport au projet, sous forme de cahier des charges. Et ces documents servent à la maîtrise d'œuvre pour savoir qu'est-ce qu'elles doivent fournir comme travail, comment le fournir. Et quand on a les entreprises et l'ensemble des intervenants, on fait ce qu'on appelle une convention. Et cette convention, elle n'est pas simplement faite par le BIM manager qui va organiser l'ensemble du dossier, mais elle est faite avec les intervenants. Et les intervenants s'engagent, l'ensemble des acteurs, voilà. Et ces acteurs s'engagent à respecter cette charte pour que justement, comme on travaille tous ensemble, on puisse avancer en temps et en heure. C'est-à-dire que dans un ensemble d'intervenants, si un ne fait pas sa mission, ben il bloque toute la chaîne de progression de cette maquette. Donc, c'est le côté collaboratif du BIM, finalement. C'est le côté collaboratif, voilà. Qui est conditionné par les bonnes définitions des objectifs au démarrage. Exactement. Le BIM, il y a deux choses. La maquette en elle-même, c'est-à-dire cette modélisation qui est faite par différents logiciels qu'on peut mettre ensemble, puisque le format OpenBIM, qui est l'IFC, qui est un format libre, qui n'appartient à aucune société de logiciels, donc c'est libre, c'est une association Bundig Smart qui l'a créé. Mais donc ce format à disposition et tous les logiciels qui se veulent BIM sont compatibles avec ce format. Donc d'accord. Les informations transitent de logiciel à logiciel. Donc on a possibilité de travailler ensemble. D'accord. C'est la base du système. D'accord. Alors, on y reviendra peut-être un peu plus en détail tout à l'heure avec vous. Je redonne la parole à Antoine Cavelier sur la suite. Donc, manque de préparation, de quoi s'agit-il, Antoine? Alors, le manque de préparation, c'est un peu ce que j'évoquais. C'est-à-dire que, ben, il faut, pour faire du BIM, il faut savoir de ce que c'est, donc avoir des formations
propre à chaque métier, hein, c'est-à-dire des formations pour la maîtrise d'ouvrage, comment je peux utiliser une maquette, comment je peux la visualiser, avec quels outils, etc. Nous, on est vraiment parti sur une opération à l'époque martyr en disant on va faire du BIM et puis on verra bien. Bon, on a un peu appris sur le tas. Et puis après, on s'est dit bon, il faut vraiment qu'on arrête d'apprendre sur le tas et qu'on ait de vraies formations, de vrais outils qui nous permettent d'appréhender les maquettes et d'appréhender le BIM de manière plus intéressante, et notamment l'aspect collaboratif. Hein, c'est effectivement le BIM, c'est la maquette et la collaboration. Cette collaboration-là, si on ne forme pas à l'apprendre et à l'appréhender, bah, c'est difficile de la mettre en place, puisque forcément, oui. c'est pas forcément des choses qui sont instinctives. En tout cas, c'est des choses qui sont nouvelles par rapport à nos métiers actuels. Ça veut dire, là, vous évoquez dans les manques de préparation, notamment la formation. La formation concerne à la fois le côté technique, mais aussi le côté collaboratif. C'est un enjeu important, ça ? Oui, oui, les deux sont importants, puisque vous avez à la fois des nouveaux outils informatiques que vous allez utiliser, des viewers ou des checkers, c'est-à-dire des logiciels qui vont permettre d'analyser automatiquement la maquette sur un certain nombre de sujets. Mais vous aussi avez un ou deux noms d'outils comme ça, ça peut intéresser les personnes connectées, les viewers ou les logiciels en accès. Le plus connu et le plus efficace pour l'instant, c'est Solibri. On entend mal là, ça a coupé un peu, pardon. Solibri, qui est un logiciel qui vous permet vraiment d'être très fort, alors qui nécessite de mettre un peu les mains dans le cambouis, parce qu'en fait, il faut que vous définissiez vos propres règles d'analyse. Alors, ça peut être à la fois des règles informatiques, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'un mur est bien modélisé en mur, ou alors des règles plutôt internes, c'est-à-dire est-ce qu'une chambre fait bien plus de 9 mètres carrés ou plus de 12 mètres carrés, est-ce qu'un fauteuil peut passer n'importe où, voilà, ce genre de choses. C'est des outils qui sont assez chers, qu'il faut voir si effectivement il y a une utilité ou pas, mais ce sont en tout cas des outils sur lesquels il faut se former. Moi, personnellement, j'ai fait une semaine de formation sur ce outil-là et je continue à me former petit à petit parce qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas faire. Voilà, il y a les outils informatiques et les outils organisationnels, donc la collaboration, qui sont importants là-dessus, avec notamment les plateformes collaboratives, c'est-à-dire des logiciels ou des sites en ligne qui vous permettent de communiquer entre les différents intervenants sur la base d'un même document. C'est-à-dire vous échangez pas par mail, vous échangez via cette plateforme-là, comme un Dropbox en très très amélioré, qui vous permet justement de voir. Donc, vous avez Croquis qui par exemple est gratuit, vous avez d'autres, plein de startups qui le font, Axel BIM ou Dimension ou ce genre de choses. D'accord. Alors, on peut poursuivre par les deux derniers éléments de retour d'expérience. Allez-y. Alors, la deuxième, la superposition entre la démarche BIM et la démarche classique, c'est ce qu'Alain a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est arrivé à la passation entre le chantier et la conception, finalement, on est retourné à une démarche classique parce que justement, on était beaucoup plus à l'aise là-dessus et que on a pas réussi à faire cette transition-là à l'époque sur cette opération-là. Et ensuite, le manque de formation des professionnels, c'était à tout niveau. C'est-à-dire que nous, maîtrise d'ouvrage, mais aussi maîtrise d'œuvre, hein, qui à la fin adjoint les services de contrôle BIM, notamment parce qu'ils n'y arrivaient pas en interne, des différentes prestations intellectuelles, que ce soit contrôleur technique ou bureau d'études. TDS, par exemple, n'avait jamais fait de BIM, donc il a dû se former, etc. Et donc forcément, vous êtes moins efficace quand vous êtes en formation que quand vous êtes déjà intégré dedans. Et puis l'entreprise générale, que si pas. Et on imagine que ces éléments de niveau d'exigence en termes d'expertise, pour boucler un peu la boucle, ce sont même des éléments qui aujourd'hui peuvent être éventuellement dans un cahier des charges précisés, exigés peut-être aussi, à l'équipe projet, quoi. Alors, exiger, c'est compliqué parce que c'est ce qu'on avait un petit peu fait. Préciser, voilà. C'est-à-dire que nous, maintenant, toutes nos opérations sont en BIM depuis maintenant un an et demi. Mais par contre, on n'oblige pas un prestataire à avoir une expérience en BIM. Ce serait compliqué. Par contre, on l'oblige à mettre en place un plan de formation s'il veut travailler avec nous. C'est-à-dire qu'on va lui dire, est-ce que vous avez déjà fait du BIM, oui ou non ? Si vous n'en avez pas fait, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir monter en compétence ? Ce que l'on n'avait pas fait à l'époque sur cette opération-là, où chacun était un peu parce qu'on n'avait pas cadré les choses. Alors, du coup, par rapport au premier niveau de témoignage que vous aviez apporté en 2018, et là, peut-être que vous pouvez
commencer à répondre à deux voix pour qu'on progressivement on s'oriente vers Alain. Quelles sont les actions mises en œuvre et les perspectives pour la suite du projet? Parce que on l'a compris, votre vision de la valeur ajoutée du BIM, du rôle du BIM et de la place du BIM dans cette opération et dans vos futures opérations a évolué depuis. Donc, quelles actions avez-vous ou envisagez-vous de mettre en œuvre pour, en démarche de progrès? En fait, on a au milieu à peu près de l'opération, en phase de conception, on s'est dit bah, effectivement, le BIM, ça peut être un outil formidable. Ça nous plaît, c'est l'avenir, on n'a pas envie d'être à l'arrière par rapport à ça et on veut essayer d'être novateur. Mais par contre, clairement, on ne peut pas le faire comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'organise pour pouvoir déployer une démarche BIM. Et c'est dans ce sens-là où on a lancé en décembre 2017, donc avec le pôle Fibre Énergie Vie, du coup un audit de l'ensemble d'habitation moderne pour voir comment on pouvait mettre en place cette stratégie de déploiement du BIM avec... Ben, un état des lieux des différents services, un état d'alarme, nos outils informatiques, etc., pour avoir quelque chose de beaucoup plus concret et surtout après un plan stratégique de déploiement sur plusieurs mois, sur plusieurs années, qui nous permettrait de monter petit à petit en compétence et en connaissance sur le BIM pour pouvoir vraiment généraliser. Avec, en se disant, ben, finalement, nous, le BIM, à quoi ça va nous servir? Et ben, ça va nous servir à l'exploitation. C'est là où on a aussi évolué sur notre opération. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de BIM juste pour faire du BIM. Pour nous, le BIM, ça sert après à gérer et à exploiter un bâtiment d'un point de vue technique. Et c'est d'accord. Comme ça qu'on s'est mis en ordre de bataille, entre guillemets, et qu'on a organisé notre déploiement du BIM dans cette optique-là. Là où un promoteur, par exemple, lui, va dire l'exploitation, ce n'est pas son cœur de métier, ce n'est même pas son métier, ouais. Quoi qu'il a livré le bâtiment, il ne s'en occupera plus, il a d'autres objectifs. Donc pour lui, peut-être. Que le BIM, ça va lui permettre d'être peut-être plus communicant ou alors essayer d'avoir peut-être plus de démarches, enfin, d'avoir des démarches commerciales plus facilitées, etc. Enfin, je ne suis pas promoteur, donc je ne peux pas dire, mais il va avoir des objectifs qui vont être différents que celui d'un bailleur social ou un architecte, un bureau d'études. Grosso modo, à peu près tous les mêmes objectifs que pour avoir un bailleur social jusqu'à la livraison. Quoi. Après, c'est plus son affaire quelque part. Hein. Un promoteur, voilà, une fois qu'il a donné les oui, clés, oui, tout ce qui est conception, pilotage chantier, etc., ça reste aussi quelque chose d'important pour ces acteurs-là. Je me permets d'accélérer un petit peu parce qu'on vient de parler d'exploitation maintenance. Est-ce qu'il y a des points encore importants sur la slide là, que vous nous proposez ou est-ce qu'on peut enchaîner pour justement, moi, ce qui m'intéresse maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de dire, voilà, en quoi la prise en compte des enjeux d'exploitation maintenance fait évoluer le projet et l'utilisation du BIM dans ce projet. Est-ce qu'on peut enchaîner? On peut passer à la suite, oui, effectivement, okay. Si vous voulez. Alors, le slide suivant, c'est juste voilà, pour dire que nous, on s'est organisé ouais, très, très rapidement, on s'était organisé justement pour répondre à cette démarche-là et puis Alain le développera de manière plus précise sur cette opération-là, justement, voir comment elle a évolué au fur et à mesure pour arriver à se dire on fait l'exploitation. C'est-à-dire que nous, on a nommé des référents BIM en interne, voilà, un responsable BIM. On a créé des chartes BIM et des cahiers des charges BIM pour justement se dire l'objectif pour nous, c'est de faire du BIM gestion. On a rédigé les processus métiers, on a acheté les logiciels, hein, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Et puis, du coup, depuis maintenant un an et demi, on commence à avoir des bons retours et on commence à avoir vraiment des choses qui sont intéressantes et surtout exploitables par la suite pour le BIM gestion. Et là, on est même en train d'essayer de voir pour acquérir un logiciel de BIM gestion en lançant une consultation par rapport à ça. Donc, cette évolution-là qu'on a eue au sein de l'habitation moderne, on la retrouve un petit peu au niveau de cette opération-là, ce qui est quand même ce qui est assez intéressant justement. Alors, pendant notre préparation, vous évoquez aussi une démarche aussi d'accompagnement finalement, parce qu'en tant que maître d'ouvrage, vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la filière. On a évoqué tout à l'heure une maturité relative des acteurs du marché, hein, qui pour certains, encore beaucoup, sont en démarche de découverte ou à peine d'émergence de l'application du BIM. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos engagements aujourd'hui pour accompagner l'ensemble de la filière, hein, qu'on soit entreprise, qu'on soit maître d'œuvre, qu'on soit en bureau d'études, etc. Qu'est-ce que vous faites, vous? Comment vous investissez ce sujet avec votre écosystème? Alors, nous, on essaye vraiment d'être dans une démarche très d'accompagnement des différents acteurs, voire de pédagogie sur certains autres. Pour la maîtrise d'œuvre, par exemple, je vous disais, on peut travailler avec des maîtrises d'œuvre ou des étudiants qui n'ont jamais fait de BIM. À quelques coupures avec. Reprenez.
Donc, je disais, on essaye de les accompagner. On peut travailler, on travaille avec des maîtrises d'œuvre ou des bureaux d'études qui n'ont pas d'expérience en BIM, et on va les accompagner. Moi, je suis déjà allé quelques fois chez les prestataires voilà, pour voir avec eux quels sont les outils qu'ils utilisaient, comment les paramétrer pour qu'ils répondent à nos besoins, etc. Donc, on essaye vraiment de les accompagner de manière intéressante. Et puis, pour les entreprises aussi, on essaye d'être très pédagogique avec... on aurait dû le faire la première là, pendant la période de confinement, mais on va bientôt la lancer. Une réunion d'information, une fois que les entreprises en fait, sont sélectionnées, on fait une réunion de présentation de la maquette, on leur explique à quoi ça peut servir, etc. Et surtout, on essaie d'individualiser le discours entre un peintre où finalement, pour lui, la maquette BIM, ça n'a pas vraiment d'intérêt. À mon sens, pour un peintre, ce n'est pas là où il y aura la plus grosse plus-value. Par contre, peut-être que pour une entreprise de canalisation, enfin de fluide, ou une entreprise de grosses œuvres, là, ça peut avoir un vrai intérêt de préfabrication. D'accord. On essaie d'adapter le discours à chaque fois. Très bien. Alors, Alain Buraglio, vous nous avez expliqué tout à l'heure à quel moment vous étiez arrivé et pourquoi dans l'opération. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail et la transition est toute trouvée avec la notion de cahier des charges, notamment, ou de charte BIM? Oui. Donc, dans le CCAP, donc, comme on disait dans ce projet, il y avait une définition des besoins BIM que vous voyez à l'écran à droite, dans la feuille de droite. Il y a 10 lignes et l'ensemble des besoins est exprimé dans ces 10 lignes. Donc, c'était très succinct. Et si vous passez aujourd'hui, suite au travail qui vient d'être fait donc, par Habitation Moderne au courant de l'année 2019, vous pouvez passer à la slide suivante pour montrer le genre de besoins qu'ils expriment maintenant. Donc aujourd'hui, c'est spécifique, c'est vraiment spécifique. Voilà. Vous pouvez voir par lot, c'est-à-dire que pour le génie civil, pour la toiture, pour chaque élément qui compose le bâtiment, ils ont défini aussi par phase, c'est-à-dire APS, APD, APS, APD, pro, chantier, DOE et exploitation, quels renseignements ils veulent pour tel objet. Par exemple, un radiateur, ou alors là, je ne sais plus ce que j'ai mis, ça doit être de la toiture, je ne sais plus. Pour chaque objet qui compose le bâtiment, parce qu'en fait, il faut voir le bâtiment comme un ensemble d'objets. Alors, ils sont définis par la maquette en 3D, mais ils sont définis par tout un ensemble de paramètres. Et en fonction du besoin client, on prend 10, 15, 20, 50 paramètres. On n'est pas obligé de prendre peut-être les 300 paramètres qui existent pour un objet dans l'ensemble du BIM. L'expression du besoin va justement quantifier le travail qu'il y a à faire derrière sur ça. Donc, avec ces tableaux qui définissent et qui montrent bien ce qu'on a renseigné, ben avec ça, on peut travailler correctement. C'est-à-dire que le travail qui est... Allez-y, pardon. Les paramètres, donc, c'est des paramètres qui sont basés sur des classifications internationales. Donc, en France, on n'a pas de classification aujourd'hui standard. On se base donc sur des classifications Uniforma ou Uniclass, donc qui sont des classes anglo-saxonnes. Bon, à défaut, on aura quand même une facilité à reprendre des paramètres dans les logiciels BIM, on va dire qu'ils sont déjà organisés. Alors, ça, c'est le travail que vous êtes en train de faire, ça, c'est le travail. Voilà. Alors, on va voir si on continue. On a derrière donc, la vidéo donc, de la... Hop. Attendez, hop. C'est la vidéo. Oui. J'y vais. Pardon. Ah là, je ne sais pas ce qui se passe. Attendez, je reviens en arrière, logiquement. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir de... Oui, passer la vidéo directement peut-être. C'est ce que je vais faire. Hein. En dehors du... Oui. Ouais. Ce que je vais faire. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que finalement, ça fonctionnait hier et là, ça ne fonctionne plus. Je vais sortir hein, et puis je vais la diffuser. Je vais la diffuser directement. Hop, voilà ici. Donc, pour expliquer pendant ce temps-là… Là, vous voyez la vidéo qui se lance ou pas? Non, on va PowerPoint. Non, alors attendez, je vais sortir. Voici une animation réalisée en cours de modélisation. Voilà, et là j'y vais. Partage d'écran. Alors là, on est dans la maquette, hein, c'est ça? Vous voyez bien le film? Voilà, là, on le voit. C'est saccadé, mais on est dans la maquette. Donc, cette maquette, c'est une maquette partielle de la phase exé, donc où on a uniquement le chauffage et la ventilation. Et encore, c'était en cours de modélisation. C'est une vidéo que j'ai retrouvée pour vous montrer un petit peu en volume ce que ça donne. Mais là, on n'est que sur une définition de volume.
Donc, en additionnant cette maquette, celle du maçon, ainsi de suite, on arrive justement à détecter les cassures. Des bio, les renseignements des informations et la mise à jour de celle-ci, en fonction de ce qui a été réellement construit, sera faite par nos soins en nous appuyant sur la norme existante OpenBIM pour la classification des spécifications des bâtiments. Nous compléterons par la création de paramètres personnalisés en fonction des besoins exprimés. Donc là, on vous a en deux versions. En version directe, ce travail permettra à Habitation Moderne et à ses équipes de consulter la maquette par des viewers sur ordinateur, au bureau ou sur des tablettes sur site. Voilà, allez-y. Donc là, vous avez, donc c'est une copie écran d'un logiciel donc, qui s'appelle Tecla BIMSide, qui est un viewer gratuit que chaque entrepreneur peut prendre au chaque bureau d'études peut prendre pour consulter une maquette qui a été modélisée. Là, on est un autre support. On est sur un support donc, de tablette. C'est la même maquette qui est visualisée sur un iPad. Donc pareil, c'est une version gratuite qui dépend donc un petit peu dans cette version sur le logiciel Archicad, mais qui permet justement de faire des coupes horizontales, verticales, on coupe comme on veut, et de pouvoir interroger, et on va voir ça juste après, on va pouvoir interroger les objets qui composent, là j'ai pris comme exemple une gaine, et on va sur les infos, et on peut donc visualiser directement, donc un opérateur d'entretien peut interroger, savoir qui l'a posé, qui l'a, vous voyez les paramètres. Il y a mon nom, il y a celui du chef de projet, il y avait l'entreprise qui a réalisé l'installation. Et on peut donc suivre chaque objet en maintenance, en fait, tout simplement, avec la référence du matériel qui a été posé. Très bien, très bien. Alors, je vois qu'on est… le temps avance vite. Hein, donc, est-ce que par rapport à ces nouveautés, à ces enrichissements de la maquette, Antoine Cavelier, quels sont… Finalement, ça ouvre quelle perspective pour vous ? Ça ouvre la perspective de l'exploitation. C'est-à-dire que, effectivement, au départ, si chacun ou chaque bureau d'études, chaque architecte modélise de la manière dont il veut, on ne va pas pouvoir avoir des informations qui se recoupent par rapport à ça. S'il y en a un, par exemple, qui met, je ne sais pas moi, l'entreprise qui a posé, mais pas un autre, et qu'il y en a un qui va mettre la date de fin de validité du produit, de la garantie, etc., et pas un autre. Ben nous, quand on va interroger l'ensemble des maquettes, on va avoir des informations qui vont être très incomplètes. Et on ne va pas pouvoir, après, réaliser des plans stratégiques de réhabilitation, de rénovation de nos bâtiments, parce qu'on aura des informations qui seront incomplètes et finalement pas utiles. Donc, la grande difficulté qu'on voit en ce moment quand on fait de l'exploitation, c'est d'avoir suffisamment de données pour que ça puisse être intéressant, mais pas trop, parce qu'après, derrière chaque donnée utilisée, visualiser, il faut qu'il y ait une mise à jour qui soit faite. Si par exemple j'ai une baignoire avec des dimensions dans un logement, que je change pour des raisons X ou Y avec la baignoire, et bien, il faut que je mette à jour les informations du fabricant, de la date de pose, etc. Donc plus je vais mettre d'informations, plus il faudra les mettre à jour. Et il y en a peut-être qui ne seront pas utiles. Une prise de courant, finalement, est-ce que c'est utile d'avoir la date de mise en pose ? Après, c'est chaque exploitant qui le voit. Et surtout, ça nous permet d'avoir une grille de lecture pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à la fois pour nos bureaux d'études et à la fois ensuite pour les entreprises qui vont exploiter les bâtiments, ils savent que maintenant les données chez Habitation Moderne, c'est ça. Et du coup, ils peuvent beaucoup plus facilement prévoir justement le plan d'exploitation qu'ils peuvent avoir derrière. Et nos équipes de maintenance, pareil, quoi, plus facilement. D'accord. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie questions-réponses. Alors, je n'ai pas pu suivre le chat pendant des échanges. Alors, Inès, est-ce que tu as pu capter des questions pendant la présentation ? Bonjour. Non, il n'y a pas eu de… Enfin, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de questions. D'accord. Alors, vous pouvez tous et toutes vous connecter au chat hein, qui se trouve, si vous bougez un peu votre souris ou votre pad, vous cliquez sur converser, la petite bulle qui se trouve dans les fonctionnalités de Zoom, et posez vos questions en direct. J'avais une question, Arnaud. Oui, Julien, vas-y. Oui. Alors, ce REC, c'est très intéressant parce que c'est un vrai cas d'école. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Par contre, je souhaitais poser une question.
Effectivement, la maquette DOE, telle que vous l'avez décrite, avec toutes les informations nécessaires pour la gestion, exploitation, maintenance, c'est effectivement, comme je le disais, l'attendu principal, majeur des maîtres d'ouvrage et particulièrement des bailleurs. La question, est-ce que vous avez envisagé de faire une maquette, ce qu'on appelle GEM, gestion, exploitation, maintenance, qui intègre en fait les exigences plus propres, on va dire, aux outils de gestion tels que Abila, Active 3D ou autres, hein, je ne veux pas les citer tous, mais voilà, parce que par expérience, on peut voir que la maquette DOE ne permet pas, en l'état, de communiquer souvent avec les logiciels métiers. Alors, pour répondre à cette question, Antoine, allez-y. Oui, effectivement, dans le tableau que vous a montré Alain tout à l'heure, en fait, vous avez les différentes phases de l'opération, donc APS, APD. Vous avez la phase DOE, c'est-à-dire où on veut le maximum d'informations parce que c'est une maquette qui sera sanctuarisée, qui sera mise dans notre gestion électronique des bâtiments, notre GED. Et puis, vous avez une autre colonne qui est celle-là, l'exploitation, c'est-à-dire une maquette beaucoup plus light, beaucoup plus facile à visualiser avec des informations choisies. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le DOE, on va avoir besoin de la marque de l'interrupteur et de la date de pose. Par contre, pour l'exploitation, ce n'est pas une donnée qui, pour nous, est pertinente puisque ça donnerait beaucoup trop d'informations à mettre à jour régulièrement. Et donc, il y a effectivement tout un tas de choses qui sont épuré, si je puis dire, entre la maquette DOE et la maquette exploitation telle qu'on le demande. Alors ensuite, pour l'instant, on n'a pas de logiciel de BIM gestion, au sens propre, comme Abila ou Active 3D. On est en train, on va lancer prochainement une consultation par rapport à ça. Et ensuite, on affinera effectivement ces paramètres-là ou les modes d'intégration avec le logiciel qu'on aura choisi. D'accord. Merci. Alain, est-ce que vous souhaitez compléter par rapport à la question de Julien ? Pas plus que ça, non, merci. D'accord. C'est très clair. Il y a bien une définition différente qui doit se faire, effectivement, entre le DOE et la GEM, parce que, effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes. D'accord. Après, on revient à la définition des besoins de départ. Voilà. Julien, tu voulais apporter un complément ? Oui, effectivement, par rapport au REX qu'on a eu aussi, et puis notre propre expérience. Effectivement, il y a un autre sujet qui apparaît rapidement comme problématique, mais il a été un peu abordé, c'est l'organisation interne du maître d'ouvrage. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, les maîtres d'ouvrage ont tous, à un moment ou à un autre, exploité et géré leur bâtiment, forcément, utilisé potentiellement des tableaux Excel ou des tableurs pour suivre effectivement les travaux et faire des prévisionnels, etc. Par contre, là où on voit souvent des problématiques, voire des carences, qui sont notamment liées aux intervenants externes, dans le cadre de contrats de gestion d'exploitation ou de travaux au bord de Rhône, c'est la mise à jour de la donnée. En fait, le vrai problème qu'on a pu voir au travers des REX, et ce qui se pratique et ce qu'on voit au quotidien, c'est qu'effectivement, on a souvent des maquettes GEM qui sont bien faites, des outils de gestion tels qu'ils soient qui sont globalement bien faits. Mais après, effectivement, de nombreux maîtres d'ouvrage ont de vraies difficultés à s'organiser, alors à la fois en interne, mais surtout au travers des intervenants externes, de trouver la bonne méthodologie, les processus pour garantir en fait que cette maquette GEM, en quelque sorte, et cette base de données reste tout le temps pertinente. Et pour information, on a un chiffre, nous, qui circule souvent, c'est, en gros, on estime qu'un patrimoine, 15% des données évoluent chaque année. Alors, c'est suivant le type de patrimoine, c'est pour donner un ordre de grandeur. Ce qui sous-entend qu'en gros, au bout de 3-4 ans, si on n'a pas mis à jour l'information, donc à chaque fois qu'on a changé une chaudière ou un équipement technique et autres, eh ben, on peut considérer que la base de données, elle peut partir à la poubelle, quoi. Du coup, c'est un vrai sujet, ça, et qui n'est pas simple parce qu'il n'est pas technique, en fait. Il est surtout humain. C'est effectivement la capacité, en fait, à créer une chaîne d'acteurs et garantir, en fait, que la donnée qui est modifiée sur le terrain puisse bien être remontée via des outils type tablette. Enfin, il y a mille façons de faire. Et effectivement, garantir, en fait, la conformité de l'information et un niveau de confiance qui permette, effectivement, de bien travailler avec cet outil. La conformité, j'ajouterais l'actualité de l'information. Hein, oui, quand je disais conforme, c'est effectivement, ouais, c'était en termes de structuration, etc., effectivement, qu'elle soit à jour, en fait. Ouais. Et c'est là où souvent on rencontre des écueils où, effectivement, c'est pas si simple que ça à mettre en place pour ça. Alors, une réaction, Antoine Cavelier ou Alain, avant qu'on prenne deux dernières questions qui viennent d'apparaître dans le chat, parce que le temps avance et il nous faudra conclure à un moment donné.
sur ce point que vient de soulever Julien. Alors, effectivement, c'est, si je peux me permettre, c'est effectivement quelque chose de très important. C'est quelque chose sur lequel il faut que les maîtres d'ouvrage qui exploitent s'organisent. Et nous, c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir avec les services de maintenance, notamment, comment on peut mettre à jour cette donnée. Et ça base par deux choses, à mon sens. La première, c'est de bien calibrer la granulométrie de la donnée. C'est-à-dire, j'en reviens à qu'est-ce qu'on a besoin pour voilà, l'ouvrier qui va aller sur place. Est-ce qu'il a besoin de connaître la marque de l'interrupteur qui est sur place pour le changer? Moi, je ne pense pas, donc ce n'est pas une donnée qu'on va utiliser. Par contre, est-ce qu'il a besoin de connaître la marque de la chaudière, la puissance, etc., s'il veut la changer? Oui, c'est quelque chose qu'il a besoin. Donc, c'est vraiment ce genre de données, de se dire qu'est-ce que l'outil, finalement, l'ouvrier, la personne qui va aller vraiment faire l'intervention, qu'est-ce qu'elle a besoin comme information pour savoir où passe le conduit? Oui, c'est intéressant. Quel est le diamètre? Déjà, c'est une question qui peut se poser différemment. Est-ce que finalement, sur certaines choses, il y a besoin d'indiquer le diamètre, etc. Et ça, c'est le travail qu'on est en train de faire. Ça permet à la fois d'avoir quelque chose d'utile et d'utilisable et de pas trop gros pour justement que la donnée soit mise à jour de manière plus satisfaisante. Et surtout, pour que ça marche, il faut aussi que les acteurs qui vont mettre à jour la donnée, donc les ouvriers, si on utilise des logiciels nomades notamment, ils voient un intérêt. C'est-à-dire que si c'est imposé comme une contrainte en plus, où ils vont se dire, ah, en plus, il faut que je rajoute, que je mette à jour, bah, ils ne le feront pas. Par contre, s'ils le voient comme quelque chose de pertinent et d'utile pour leur métier, il vaut mieux commencer petit et après, petit à petit, augmenter la granulométrie plutôt que d'avoir l'ensemble des informations et qui, finalement, au bout de 5 ans, n'est plus du tout bonne parce que tout a été modifié sans que personne ne change l'information. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est très important. Et nous, c'est un travail ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille dessus avec les différents services chez nous pour justement calibrer au mieux cette granulométrie et surtout les processus pour mettre à jour cette donnée-là. D'accord. Rapidement. On peut différencier la collecte de l'information qui a été modifiée sur le terrain, c'est-à-dire un changement de cloison ou quoi que ce soit, et la mise à jour de la maquette. Il peut être collecté les modifications quand elles interviennent et à période, on va dire, de 6 mois ou d'un an, de revoir la maquette 3D pour la remettre à jour. C'est quelque chose qui peut être fait parce que ce n'est pas la même fonction. Il faut un modeleur, il faut intervenir sur la maquette avec un outil spécifique pour la mettre à jour. Alors, peut-être une question pour vous, plus spécifiquement Alain, sous réserve qu'Antoine apporte un complément. Comment gérez-vous et liez-vous la documentation technique avec la maquette 3D? Là, une partie du paramétrage dépend de la documentation technique, je pense. Oui, alors, il y a des documents comme par exemple un PV feu de porte. Si on a une porte coupe-feu, par exemple, on a un PV qui doit être lié à l'objet. Eh bien, c'est un lien hypertest qui va être mis dans la base de données qui va permettre d'aller ouvrir un PDF. Alors, la localisation du PDF doit se définir. Soit il est dans un répertoire local qui est transmis avec la maquette, soit il est sur un site et le lien sur un site qui va être, on va dire, fixe, hein, pour que le lien reste toujours fonctionnel. Après, il faut définir ces choses-là pour que justement, dans la pérennité des informations, il y ait ce suivi qui soit fait. D'accord. Je prends une question suivante. Quel est le surcoût d'un projet en BIM? Alors, c'est peut-être compliqué à répondre comme ça parce qu'il n'y a pas un projet BIM, il y a autant de projets BIM que d'opérations par rapport à un projet en AutoCAD, selon votre expérience, selon, j'ai envie de dire, vos expériences. Je m'adresse aussi à toi, Julien, hein, comme tu accompagnes aussi des entreprises. Donc, je vous laisse encore la parole, Alain. Ensuite, on passera à Antoine. Et si Julien a une estimation, en tout cas, à nous partager. Oui, alors AutoCAD, est-ce que c'est un AutoCAD 2D ou un AutoCAD 3D? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question est très complexe puisque en fait, cela intervient dans la façon de travailler. Le BIM est une méthodologie de travail. Donc, il faut voir à ce que l'objet soit défini en 3 dimensions pour qu'on puisse impacter. Il faut bien voir la conception du projet, pas comme des traits et des hachures qui sont représentés sur un plan, mais comme une gestion d'objets. Une fenêtre, c'est une fenêtre. Elle a des paramètres qui vont aller avec. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et savoir combien coûte le fait de passer d'un logiciel, on va dire 2D, AutoCAD, à un logiciel de modélisation comme Archicad et
ou Revit, par exemple, qui sont les deux plus gros logiciels du marché. Je ne peux pas vous dire. Après, il y aura une façon de voir comment vous travaillez sur vos projets. Est-ce que vous faites une conception directement? Est-ce que vous... Il faut voir qu'aussi avec le logiciel de conception, comme son nom l'indique, on obtient de la réflexion par le logiciel, puisqu'on arrive à se mettre dans des ambiances qui vont nous donner une appréciation du projet créé qu'on est obligé de garder en tête quand on le fait en 2D. On est obligé de l'imaginer en tête. Là, c'est deux méthodes de travail complètement différentes. Et quantifier financièrement un surcoût de ça, ce n'est pas évident du tout. Donc, ouais. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Alors, rapidement, Antoine, j'ai envie de reformuler la question. Est-ce que vous en espérez, Antoine, plutôt des économies et un gain de performance plutôt, si on retourne un peu la question demain, Antoine? Alors, est-ce que c'est un investissement? Alors, c'est un investissement, c'est sûr, pour la maîtrise d'ouvrage, pour les bureaux d'études aussi qui vont le faire. Hein, pour les bureaux d'études, les dernières études que j'ai lues, on est à peu près sur 10 000 euros par salarié pour monter en BIM, c'est-à-dire pour que le bureau d'études puisse se mettre à faire du BIM. Ça ne veut pas dire que sur une opération proprement dite, on sera à 10 000 euros, mais c'est l'investissement qu'il faut pour y arriver. Nous, en termes de conception et de construction, on estime le surcoût quand on fait des projets... pour habitation moderne, hein, on est entre 1 et 2 % de plus par rapport à une opération classique. Après, on en attend des gains en qualité, par contre, ça indéniablement, de réalisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas vu de baisse de coût, mais par contre, on a vu des hausses de qualité. C'est-à-dire qu'à un coût constant, on arrive à construire beaucoup mieux. En termes de délai, c'est compliqué parce que pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on s'y met, donc on n'a pas encore tout à fait les retours, un nombre de données suffisant pour pouvoir l'estimer. Et après, par contre, on en attend beaucoup en termes d'exploitation, par contre, par rapport à ça. Donc, 1 ou 2 % qu'on va prendre sur le prix de revient de l'opération, on l'espère largement les optimiser, enfin, qu'elles soient largement... Voilà, je cherchais le mot, dans la place d'exploitation par rapport à ça. D'accord. Pour donner le prix à une personne à temps plein sur le BIM, donc un salaire chargé, plus les achats logiciels. Donc on arrive à peu près 80 000 euros par an par rapport à d'accord. ça. Comme d'investissement. D'accord. Merci beaucoup Antoine Cavelier. Merci beaucoup Alain Buraglio. On va malheureusement devoir déjà qu'on a pris plus de 10 minutes un peu de retard et merci à toutes les personnes qui sont restées avec nous. Juste avant que je donne la parole à Julien Mercier pour la conclusion, je vous demande de vous reconnecter et pendant que Julien nous partagera sa conclusion et sa vision un peu prospective pour la suite, reconnectez-vous sur Klaxoon. Nous allons lancer 2 questions parallèles que je ne commenterai pas en direct, mais qui nous permettront quand même d'avoir votre retour sur 2 aspects. Voilà, donc Julien, conclusion de ce REX, quelle est la suite du programme? Alors la conclusion, elle est toute faite parce que globalement, ce qui est ressorti des différents REX BIM qu'on a pu faire et au travers des sondages que tu as pu faire, ce qui ressortait en point majeur sur les difficultés rencontrées sur les projets, c'était effectivement la définition des objectifs côté maîtrise d'ouvrage qui n'était pas forcément toujours très, très bien documentée. Et là, on a vu qu'effectivement, on était un petit peu dans ce cas-là. Donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais qui l'est quand même globalement de moins en moins puisque les maîtres d'ouvrage se font souvent accompagner d'AMO ou ont les compétences en interne. Le deuxième point qui reste encore d'actualité et notamment en phase exécution, c'est le manque de maturité des acteurs. Et ça, c'est un vrai problème parce que globalement, il faut être assez vigilant sur les projets parce qu'on peut avoir une maîtrise d'œuvre, par exemple, qui sait faire du BIM et un membre qui ne sait pas trop le faire. Et globalement, ça peut pénaliser l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. Il faut essayer d'accompagner les gens et faire en sorte de ne pas pénaliser le groupement tout en essayant de tenir les objectifs. Donc là, la maturité et le RISBIM, d'ailleurs, on a beaucoup de partenaires en termes de formation. Je pense qu'il y a un vrai sujet de formation. Au-delà des investissements matériels, il y a beaucoup de formation. Parce que quelqu'un parlait des coûts, il y a la formation qui est quand même pas négligeable. Voilà, ça c'était les deux gros points qu'on avait identifiés. Il y avait aussi l'interopérabilité. De mon point de vue, c'est plus un problème de compétences parce que globalement, les exports IFC notamment se passent globalement pas trop mal. On a des fois par contre des problèmes d'interopérabilité entre les acteurs parce que comme ça a été dit, la collaboration, les plateformes
aident à collaborer, mais ne font pas collaborer les gens. Donc, il y a aussi un état d'esprit des gens aussi à évoluer et pas travailler, comme on dit, en silo, mais vraiment travailler avec, dans un esprit vraiment collaboratif. Voilà, pour conclure sur... Merci beaucoup, Julien. Donc, on vous affiche à l'écran les prochaines dates, qu'elles soient à distance et en présentiel. On reprend la route du Rexbeam Tour à partir du mois de septembre à Montpellier, puis à Nantes. Le 18 juin, une table ronde intéressante qui fait le lien avec un des sujets du jour, c'est la formation comme clé de voûte hein, de la réussite du BIM. On abordera tous les sujets liés à la formation. Et comme Inès vous l'a précisé dans le chat, vous pouvez retrouver la plupart, toutes les étapes précédentes du Rexbeam Tour en vidéo, en synthèse, et également une synthèse de toute l'année 2019 hein, qui a été produite par la Fédération Synov, qui est à télécharger et à consulter sur le site rexbeamtour.fr. Merci à toutes et à tous. Merci Antoine Cavelier. Merci Alain Buraglio pour vos témoignages. Je vous dis peut-être rendez-vous dans un an ou deux hein, pour un nouveau retour d'expérience. Qui sait, on aura peut-être du recul sur l'exploitation maintenance. Je vous laisse la parole pour nous saluer. Merci, merci. Merci de votre patience pour m'écouter, enfin nous écouter. Ben non, c'était vraiment passionnant. Merci Antoine Cavelier. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.